Est-ce que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir jusqu'à ce jour, il y a un changement au Congo, dans le quotidien du Congolais? Non. Le peuple congolais est-il finalement, ou même un peu, je dirais, sécurisé? Non. Les tueries à l'Est ont-elles arrêté ou elles continuent? Elles continuent. Le cadre macroéconomique est toujours aussi désastreux que sur le règne de Kabila, ou peut-être pire. Le Congolais est un sous-homme dans son pays. Le Congolais ne contrôle rien. Il n'y a pas d'entrepreneur congolais. Il n'y a pas de classe sociale au Congo, même moyenne. Petite, moyenne entreprise, n'en parlons pas. L'économie est confisquée par les étrangers, indo-pakistanais, tout ce que vous voulez. Le sphère politique, le Congolais, est un figurant. Il danse selon le thème qu'on lui donne au quotidien. Est-ce qu'on a quitté l'occupation? Ou bien j'ai une citation, voulais-je dire, et après vous réagissez. Vous me dites c'est venu de qui, et puis vous réagissez. D'accord. Benyamulenge baza bande konabiso. Benyamulenge, ce sont nos frères. Oui, ça c'est le président Félix Tshisekedi qui a dit ça à Londres. Alors, comment Mais vous réagissez? non, mais je pense tout simplement qu'il se trompe. En fait, le problème est simple. Dans quel sens? Vous avez vu d'ailleurs, avant que j'exprime, vous avez vu la réaction dans la salle à Londres. Le peuple congolais avait rejeté cela. Donc, c'est-à-dire, je pense que lui s'inscrit dans une logique de paix, mais il n'y a pas moyen de faire une paix sans justice, sans réparation. Lui veut outrepasser ces deux étapes et dire, voilà, on va faire la paix, on doit vivre calmement, nous sommes des voisins. Mais les Congolais n'agressent personne. Les Congolais sont ceux qui sont agressés. Tout à fait, parce que Minembwe, avant Minembwe, vous avez dans l'Ituri, vous avez Beni Libero. La reconfiguration, la politique de dépeuplement et la reconfiguration des peuples. On déplace les Congolais, on extermine les Congolais, on vide l'espace, on permet un couloir qui permet une immigration des peuples limitrophes pour pouvoir peupler cette terre et reconfigurer la conjoncture sociale. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Merci de vous être branchés très nombreux pour suivre votre émission intitulée Tribune de la diaspora. Dans nos habitudes, nous recourons aux intellectuels ou des probités intellectuelles de la RDC dans la diaspora pour parler de notre beau et cher pays, la RDC. Aujourd'hui, je fais d'accord l'escale au Canada, où je vais rencontrer mon invité qui n'est pas à présenter. Il a été sur ce plateau il y a peu. Alors là, je vous le présente. Dominique Abongo, il est politicologue et développement international de York University. Ce dernier, il est cadre de l'UDPS. Il vit au Canada. C'est un grand combattant de la diaspora congolaise. Il a été au four et au moulin. Donc, avec lui, nous allons parler de l'actualité en RDC. Bonsoir, Monsieur Dominique Kabongo. Bonsoir Don, c'est un plaisir de te revoir ainsi que passer sur ton plateau. Ça fait un moment, donc c'est toujours un réel plaisir. Vraiment un réel plaisir puisque l'actualité oblige, c'est pourquoi nous devons en parler. Aujourd'hui, nous allons ensemble décortiquer ce qui fait parler les Congolais. Donc, je commence avec un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait chauffer les ordinateurs et les téléphones. C'est le dossier Minembwe. Quelle est la signification que vous pouviez donner à la présence de l'ONU et de l'ambassadeur américain dans cette affaire où ils sont allés? Selon eux, ils sont allés avec leur démission d'une autre mission ou d'un autre programme gouvernemental.
Alors, il y a eu un nombre pléthorique de responsables au niveau de Minembwe pour l'installation de ces territoires ruraux de Minembwe où il fallait qu'un bourgmestre prenne position. Qu'est-ce que vous en dites, puisque la MONUSCO et les États-Unis et même les responsables gouvernementaux du Congo, ils ont tous nié en bloc qu'ils ont été là-bas pour l'installation de ces districts ou bien de ces territoires controversés. Très bien. Je pense que, comme vous dites, l'affaire Minembwe fait encore couler beaucoup d'encre. C'est quand même bizarre qu'un ambassadeur d'un pays se retrouve, puisqu'il nie en bloc qu'il ne faisait pas partie de cette délégation ou d'équipe d'avance, où la MONUSCO a aussi de nier leur présence en disant qu'elle est purement circonstancielle, ils ne faisaient pas partie d'une délégation officielle, comme le disent. Néanmoins, ils étaient là, au four et au moulin, ils ont participé à ces événements qui, selon eux, semblent purement circonstanciels. Moi, je dirais que c'est un incident qui devrait davantage éclairer la lanterne des Congolais. La lanterne des Congolais, pourquoi? Parce que les Congolais doivent comprendre qu'ils sont seuls devant leur destin. Et si les Congolais ne se consolident pas en un front pour défendre ce pays, nous allons le perdre. L'épisode de Minembwe, qu'est-ce que l'épisode de Minembwe nous enseigne? J'ai pu suivre un peu votre actualité. J'ai vu, par exemple, Mbelou qui dit que c'est un vieux problème qui est de nouveau d'actualité. Et vous voyez qu'il n'a pas tort. Donc, moi, je lis tout ça à l'AFDL, l'entrée de l'AFDL depuis 97, qui, en fait, confirme davantage que l'AFDL et tout ce qui s'ensuit après avait pour mission de démembrer la RDC. Et Minembwe est une étape dans une autre, une étape significante, parce que je ne vois pas pourquoi il devait avoir une forte mobilisation, un corps diplomatique de cette envergure, pour juste l'installation d'un simple bourgmestre. Donc, les Congolais doivent prendre conscience, on ne va pas refaire l'histoire ici, il y a des très grands historiens qui en parlent à moins profondeur. Moi, je suis un politique et je prends juste acte en voyant que les bourreaux des Congolais se sont révélés au grand jour. Et c'est pour cela que j'attire l'attention des Congolais à ce sujet. Mais Dominique, attirer l'attention des Congolais, c'est une chose, mais le problème, c'est que tout le monde qui était sur place, et même la pièce motrice, c'est-à-dire Rouberoi, tout le monde a nié en bloc qu'ils ont été sur ces lopins de terre pour l'installation du bourgmestre. Donc, ce sont des procès d'intention. Qu'est-ce que vous en dites? Mais s'ils disent un procès d'intention, le bourgmestre n'a-t-il pas été installé ou pas? Il a été installé. C'est une circonstance, puisque selon Rouberoi, ils arrivent là-bas, le bourgmestre a été notifié de son rôle ou bien de son poste. Alors, pour l'installation officielle, tout le monde a été installé, sauf lui. Maintenant, quand ils ont vu les autorités et provinciales et nationales, alors la société civile de Minembwe en a profité pour poser leur doléance que nous voudrions aussi que notre bourgmestre soit installé. Et voilà que la situation a été faite de cette manière-là. Non, pour couper court, je dirais tout simplement que ça, c'est un bluff politique. Tous ces gens ont été là, c'était pour cette raison, c'était l'installation du bourgmestre. Et le rétro-pédalage qu'on voit de part de Rouberoi, des ambassadeurs du corps diplomatique, ambassadeurs des États-Unis, MONUSCO, et ainsi de suite, c'est tout simplement face au tollé que le Congolais il s'est levé comme un seul homme, il a fait bloc et il a rejeté tout ça. Donc, la situation, nous avons frôlé avec une guerre civile. Là. Et ils ont été pris de court
face à une situation qui reste et qui demeure explosive. Et par conséquent, il faut faire rétropédalage, essayer d'atténuer la colère des Congolais. Mais tout ça, c'est un bluff politique. Le fond du problème demeure. Le fond du problème est lequel? C'est qu'il y a une politique qui est mise en place depuis le début de l'entrée de l'AFDL, qui a pour objectif de démembrer ce pays-là. Et cette politique est parrainée par les anglo-saxons. Précisément, quand la figure ambivalente qu'on voit souvent, qui est l'ambassadeur des États-Unis, vous n'avez qu'à regarder la politique des États-Unis du Foreign Council, qui parraine un peu leur politique. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout simplement que la RDC est très grande et la meilleure façon de pouvoir gérer ce pays, c'est en le démembrant, en créant des petits États. Et c'est ça la politique qui est poursuivie. Et dans cet agenda-là, vous retrouvez maintenant les pays limitrophes dans le Rwanda, par exemple, et l'Ouganda, qui ont parrainé l'AFDL avec cette politique interne pour pouvoir accomplir cette œuvre-là. C'est ça qui se passe. Et là, nous sommes dans des étapes qui s'en suivent pour arriver à cet objectif. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'est de la vieille histoire, mais seulement nous vivons des éléments qui sont basés sur cette doctrine-là. C'est ça le pivot central de tout ce que nous voyons. Malheureusement, c'est ça. Donc, vous voulez dire que les anglo-saxons ont un cahier des charges qu'ils sont en train d'implémenter étape par étape, en commençant avec AFDL, et maintenant que l'AFDL n'existe plus et qu'ils ont leurs gens qui sont déjà casés un peu partout. Alors, comment ça se l'utiliser maintenant pour les démembrements du pays, en commençant par Minembwe, vous voulez dire? Tout à fait, parce que Minembwe, avant Minembwe, vous avez dans l'Ituri, vous avez Beni Libero, la reconfiguration, la politique de dépeuplement et la reconfiguration des peuples. On déplace les Congolais, on extermine les Congolais, on vide l'espace, on permet un couloir qui permet une immigration des peuples limitrophes pour pouvoir peupler cette terre et reconfigurer la conjoncture sociale. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça, c'est une politique ayant pour objectif l'éclatement de la RDC. Oui, Dominique, parlons, quand on parle de l'éclatement, on voit d'abord un problème sécuritaire. Nous avons Kabila Père qui était là-bas, il a été entouré par les Rwandais et les Rwandophones. Il faut préciser ça. Les Rwandais, ceux-là qui n'ont pas eu honte de dire que nous sommes du Rwanda, les Kabarebe et autres qui l'ont accompagné. Il y a les groupes qui s'assimilent aux Congolais, ils ne veulent pas accepter qui sont rwandais et se disent rwandophones, c'est-à-dire les gens qu'on appelle Benyamulenge, un nom qui n'a jamais existé depuis le Congo et Congo, qu'on a créé récemment pour identifier un groupe de gens. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que vous pensez que le mixage de gens qui étaient venus avec l'AFDL, la création de multiples milices ou rébellions qu'on a incorporées dans l'armée nationale, sont à la base de ce plan qui est en train de se faire petit à petit? Tout à fait. C'est-à-dire, c'est un vieux plan qui était déjà dans les tiroirs. Et on est allé, quand l'AFDL entre en 97, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la voie de la libération. Vous voyez? Or, que les Congolais étaient contents parce qu'ils étaient clairement fatigués de 32 ans de pouvoir de Mobutu. Ils en avaient marre. Alors, ils avaient besoin de ce nouveau souffle. Et qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont misé sur l'exaspération des Congolais. Ils ont donné un autre élan. On a utilisé Mouzé comme figure de proue. Mais derrière, les Congolais, quand ils étaient contents, ne se rendaient pas compte que ce n'était pas une libération, mais une pseudo-libération plutôt. C'était là vraiment l'entrée de l'AFDL qui symbolise l'occupation que nous vivons à ce jour. Il faut appeler les choses comme elles sont. Nous vivons l'occupation. Donc, c'est comme ça que maintenant, quand un peuple va résister contre l'occupation,
quel est le moyen le plus efficace pour pouvoir mater ce peuple-là? C'est la force. Vous comprenez? Donc, si le peuple n'a pas un moyen de résistance, il faut alors le mater. C'est comme ça qu'ils sont passés déjà depuis la fin du régime de Mobutu au démembrement petit à petit du corps national sécuritaire, l'armée complètement démembrée et tout ce que nous avons vu, le mixage pour complètement étouffer, atomiser en fait l'armée, puisqu'aujourd'hui l'armée congolaise reste encore, elle connaît tous ces problèmes qui sont multiples parce qu'elle a été tout simplement atomisée de manière à ce que même s'il y a un élan patriotique au sein de nos vaillants militaires, ils ne savent pas vraiment se reconstituer et être efficaces sans être neutralisés parce qu'il y a beaucoup de zones qui sont déjà minées. Ok. Ou bien j'ai une citation, vous laisse dire, et après vous réagissez. Vous me dites c'est venu de qui, et puis vous réagissez. D'accord. Benyamulenge baza bandeko na biso. Benyamulenge, ce sont nos frères. Oui, ça c'est le président Félix Tshisekedi qui a dit ça à Londres. Alors, comment vous réagissez? Non, mais je pense tout simplement qu'il se trompe. En fait, le problème est simple. Dans quel sens? Vous avez vu d'ailleurs, avant que j'exprime, vous avez vu la réaction dans la salle à Londres. Le peuple congolais avait rejeté cela. Donc, c'est-à-dire, je pense que lui s'inscrit dans une logique de paix, mais il n'y a pas moyen de faire une paix sans justice, sans réparation. Lui veut outrepasser ces deux étapes. Et dire, voilà, on va faire la paix, on doit vivre calmement, nous sommes des voisins. Mais les Congolais n'agressent personne. Les Congolais sont ceux qui sont agressés et continuent à être agressés. Il devient par conséquent difficile de pouvoir demander aux Congolais de pouvoir vivre en paix avec leurs bourreaux qui ne cessent de les agresser matin, midi et soir. Vous comprenez? Les Congolais n'ont jamais, le Congolais reste et reste, demeure. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que nous connaissons ceux que nous connaissons qu'aujourd'hui, nous allons devenir des gens amers. Mais nous avons une qualité que nous sommes un peuple hospitalier. Il y a des gens de plusieurs pays qui vivent au Congo, qui ont vécu au Congo. Mais à partir du moment où ces gens nous renvoient une monnaie d'échange qui est très amère, il y a lieu que nous puissions maintenant en tirer conséquence. Donc, il y a le paisible citoyen qui est randophone, qui est là depuis des générations, qui fait ses affaires, par exemple, à Goma ou à Bukavu, tout ça, qui ne se mêle pas de la politique. Le Congolais ne viendra pas le déranger. Mais à partir du moment où il y a un groupe qui instrumentalise ces gens-là pour avancer des veillées expansionnistes, il revient aussi la responsabilité à ces gens-là qui veulent vivre paisiblement, qui ont trouvé une place d'accueil au Congo, aussi de se responsabiliser. On n'entend jamais ces gens se réclamer. Ils se taisent. Bon, ils ont leur raison pourquoi ils se taisent. Ils se taisent, mais par conséquent, lorsque le Congolais alors en tire les conséquences et tranche d'une manière forte, on ne peut pas l'accuser d'être xénophobe. Je ne pense pas que le Congolais refuse une personne de toute nationalité de venir vivre au Congo, mais seulement le Congo rejette la soumission d'être un sous-homme ou l'acceptation d'un groupe d'individus qui les baillonne du jour, matin, midi et soir. Ça, ça ne peut pas passer. La diaspora congolaise, dans son entièreté, s'est battue depuis des années 2004 jusqu'à ce jour, je peux dire, avec un slogan que vous avez dit, je vais vous prendre vos mots, le Congo est sous occupation. Nous nous sommes battus jour et nuit, et à un certain moment, nous nous sommes dit, écoutez, il faudrait qu'il y ait un changement, il faut moins Mboka, Azwa, direction Mboka. Nous avons maintenant, Mwana Mboka, un patriote, un nationaliste convaincu, évidemment approuvé. Mais vous continuez à parler encore une fois de
de l'occupation, de traîtrise. Est-ce que vous ne voyez pas que vous allez de contention en contention? Vous avez voulu que Kabila quitte, Kabila a quitté, et vous a laissé le pays avec le fils du pays bien identifié, un grand combattant aussi. Mais pourquoi vous ne devez pas reconnaître et appuyer ces grands combattants? Monsieur le journaliste, vous me donnerez un peu de temps pour décompacter ce que vous venez de dire, parce que c'est lourd. Allez-y. De un, est-ce que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir jusqu'à ce jour, il y a un changement au Congo, dans le quotidien du Congolais? Non. Le peuple congolais est-il finalement, ou même un peu, je dirais, sécurisé? Non. Les tueries à l'Est ont-elles arrêté ou elles continuent? Elles continuent. Le cadre macroéconomique est toujours aussi désastreux que sur le règne de Kabila, ou peut-être pire. Le Congolais est un sous-homme dans son pays. Le Congolais ne contrôle rien. Il n'y a pas d'entrepreneur congolais. Il n'y a pas de classe sociale au Congo, même moyenne. Petite, moyenne entreprise, n'en parlons pas. L'économie est confisquée par les étrangers. Indo-Pakistanais, tout ce que vous voulez. La sphère politique, le Congolais est un figurant. Il danse selon le thème qu'on lui donne au quotidien. Est-ce qu'on a quitté l'occupation? C'est la continuité. L'AFDL est et demeure présent. La politique de l'AFDL, pour être précisément, est, elle demeure présente dans les institutions du pays, dans le quotidien du Congolais. Alors, est-ce qu'on a quitté l'occupation? C'est clairement non. Maintenant, Félix est arrivé au pouvoir. Dans le contexte actuel, je suis désolé mais de le dire, mais il n'a encore, je ne doute pas moi de sa volonté de faire certaines choses. J'ai dit tout simplement que rien n'est produit d'efficace à ce jour. Pourquoi? Parce que le contour reste le même. C'est toujours l'AFDL qui est aux commandes, même si Félix est au pouvoir. Donc, ça devient conséquemment difficile de nous faire croire qu'il faut désarmer, il faudra adopter une autre posture pour pouvoir avancer les choses pendant que les choses sont bloquées. Elles restent bloquées jusqu'à ce jour. Non, nous devons poser le bon diagnostic. C'est pour ça que se limiter sur les individus, quelque part, on s'écarte de l'objectif. Il y a une politique qui a été adoptée par les Occidentaux, précisément les Anglo-Saxons, de pouvoir démembrer ce pays et de pouvoir clochardiser le peuple congolais et clochardiser l'homme congolais, que ce soit sa classe politique, sa classe sociale, sa classe intellectuelle, sa classe culturelle, de le démembrer, le déposséder de tout son héritage. C'est ça, cette politique. Et cette politique continue. Et on ne peut pas nous dire qu'elle s'est arrêtée parce que Félix est arrivé au pouvoir. Ce n'est pas vrai. Elle demeure. Par conséquent, nous devons continuer à résister et la combattre jusqu'à ce que nous puissions briser ce cordon ombilical. Donc, je suis désolé quand certains nous taxent d'avoir une... Ce n'est pas une question, en fait, de rejet de la personne ou de refuser de l'accompagner. Mais il y a certaines choses qui devaient être... Il y a un minimum qui doit être rempli pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose pour notre pays. À défaut, ça serait se tromper et carrément vider la lutte d'une manière vraiment catastrophique parce que je crois que nous sommes les derniers remparts. Quand j'entends certains qui nous disent que voilà, si nous nous ratons, nos enfants vont prendre la lutte. Nos enfants ne connaissent rien du Congo.
ils sont ici, ils ne connaissent que l'Occident. Ceux qui sont au pays sont perdus, ils ne sont même pas formés. Donc la dernière ligne, le dernier rempart, c'est nous. Et si nous, face à cette obligation devant nos ancêtres, devant notre terre, nous capotons, mais c'est fini, le pays est parti. Donc, ce n'est pas une question d'individu. Ça aurait pu être Félix et Félix aujourd'hui, ça pouvait être Fayoulou, ça pouvait être X, Y, Z, même moi-même, par exemple. Mais si les conditions demeurent telles quelles, rien ne va être fait. Bien. Alors, si vous dites que vous avez parlé de l'insécurité, que rien n'est fait, il est bien établi que et dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Est en général, et à l'Ouest Kinshasa et partout ailleurs, il est bien établi que les responsables de l'insécurité, ce sont les Congolais et surtout les responsables militaires et policiers. C'est bien établi. Comment voulez-vous qu'on parle que dans le Kivu, et spécialement Beni et Rutshuru, on tue au jour le jour, mais quand on donne les rapports, ces rapports sont étouffés au niveau des responsables militaires et policiers. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose qu'on est en train de mettre le pot de banane sous le gouvernement pour justement faire voir qu'ils n'ont rien fait et pourtant ils font le maximum qu'ils peuvent. Non, je répète votre question. Donc vous dites que le gouvernement implémente les bonnes politiques. Mais bon, c'est quand même le maximum. Mais c'est fait qu'ils soient mal utilisés par les responsables. Si la chaîne de commandement pose problème, en prenant juste cette logique, c'est celle que moi je ne suis pas d'accord avec totalement, mais je vous suis dans votre chemin. Si la chaîne de commandement pose problème sur l'exécution du plan d'action sur le terrain, pourquoi on ne sanctionne pas ces gens-là? Bon, c'est une bonne question. Responsable de suivre. Alors là, Dominique, nous avançons avec notre second point. Et c'est cette année, en octobre évidemment, ça fait 10 ans, jour pour jour, qu'on a mis en présence du peuple congolais du monde d'un rapport qu'on appelle le rapport Mapping. Donc un rapport de l'ONU qui a détaillé les crimes au pays, à tous les niveaux. Et il y avait 671 sites qui ont été répertoriés. À l'issue de ce rapport, surtout le 10e anniversaire, le nouveau ambassadeur rwandais en RDC, il monte au créneau sur son Twitter pour remettre en question ce rapport Mapping. Et il a été appuyé par son président quand les Congolais voulaient demander son départ. Et du coup, rien du côté gouvernemental. Votre réaction? Non, j'ai déjà répondu à cette question, mais ça, c'est un exemple qui vous prouve à suffisance que le régime de l'AFDL, qui est parrainé par, du moins, la politique de l'AFDL, qui est le fil conducteur de notre politique nationale et internationale, ou ainsi que régionale jusqu'à ce jour, reste et demeure la politique à suivre, parce que l'AFDL est parrainé par le Rwanda, l'Ouganda, et je ne vois pas... Qui sont les garçons des courses, puisqu'ils sont tous appuyés par les anglo-saxons. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça, ça sont les grands patrons. Mais je réponds maintenant, vous m'avez posé une question sur l'ambassadeur. Donc, l'ambassadeur, sachant que le pouvoir actuel est un pouvoir parrainé par ses hôtes ou ses patrons, bon, il peut se permettre... Pas le pouvoir de Félix, non. Je parle de la politique. La politique est conduite par un groupe de gens bien identifiés. Si ça ne marche pas, la responsabilité incombe à ces dirigeants-là. Oui, d'accord, mais je réponds à votre question. Vous m'avez posé la question, comment, le fond de la question, c'est comment est-ce que l'ambassadeur rwandais peut se permettre... Alors, il a été, oui.
peut se permettre de narguer la population congolaise et les morts congolais, les massacres. Il même dit personne n'a le droit de faire partie du Congo. Voilà. Pourquoi il a été chassé comme un malfrat en Afrique du Sud? Parce qu'il y a un État fonctionnel, chose qu'il n'y a pas au Congo. Il n'y a pas d'État fonctionnel et la politique qui est poursuivie, c'est la politique de l'AFDL. D'où, lui, étant Rwandais, son pays est parrain de cette politique. Donc, il peut avancer des charges incendiaires de ce genre tout en sachant qu'il n'a rien à craindre puisque son pays parraine la politique qui se déroule sous le pays. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que je reviens à ce que vous m'avez dit tout à l'heure en disant que quand vous m'avez chargé en disant voilà, vous ne changez pas de posture, pourtant il y a eu un changement. Il y a peut-être eu un changement d'individu, mais le fil conducteur reste le même en termes de politique. C'est ça le problème. Et par conséquent, ces gens ne se sentent pas inquiétés, encore moins redevables face même, ne fût-ce qu'au respect pour les peuples congolais. Exact. Alors, nous avons parlé de Minembwe. Parlons un peu de l'acteur, maître de, ou je peux dire, metteur en scène, voulais-je dire, de Minembwe et la politique tout entière de Ruberwa. Ce monsieur, il a été propulsé au plus haut poste dans notre pays, vice-président de la République en matière de sécurité, à la gestion territoriale. Et à l'armée, bien entendu, selon les gens bien informés, c'est lui qui a été à la base des histoires-là de mixage pour amener les combattants étrangers dans notre armée, qu'on appelle une armée infiltrée. Il est toujours à des postes qui font qu'il doit protéger une partie des terres. Pourquoi lui doit avoir à prendre cette responsabilité toujours? La décentralisation territoriale. Ben, tout simplement parce qu'il a été confié la mission d'entreprendre. Vous avez parlé tout à l'heure d'un cahier des charges. Les Occidentaux, eux, ils vont sans état d'âme d'une manière méthodique. Il y a une certaine méthodologie qui est mise en place pour aboutir à l'objectif final. Et ces méthodologies sont animées par certains acteurs. Lui est l'un des acteurs principaux qui conduit cette méthodologie. C'est comme ça qu'il pilote Minembwe, c'est comme ça qu'il a eu affaire à la sécurité. Quand il s'agissait du niveau sécuritaire, il a été mis vice-président en matière de 1+4 sur la sécurité. C'était s'assurer que le brassage est fait, s'assurer que l'effectif sécuritaire congolais, si on peut dire, est complètement mou ou inexistant, de manière à ce qu'il n'y ait pas des barrières de résistance, ou si elles sont tellement faibles qu'elles sont outrepassées. Elles ne peuvent pas poser une résistance quelconque. Donc, c'est une méthodologie qui est mise en place. Et c'est parrainé par, encore une fois, sous la région, le Rwanda, l'Ouganda, et plus haut, par les anglo-saxons, dont les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, et certains pays même, la Belgique, la France, etc., l'Israël. Donc, vous voyez, ça remonte de très loin. Donc, le Congo fait face, il est seul devant le monde entier ou les puissances, les grandes puissances qui ont déjà signé que ce pays doit être démembré. Voilà, ce qui est, ça ne sera pas facile, là, il faut le savoir. Alors, nous avons parlé de tout ça, M. Dominique Kabongo. Quelle solution durable donc pour que le Congo reste uni, unifié et à la rigueur recouvrer sa force d'antan et être respecté? Oui, la solution, la première, c'est notre combat est juste.
Par conséquent, il ne mérite pas d'être trahi. Vous voyez? De deux, nous devons faire confiance à l'Éternel, parce que notre combat est juste. Nous devons faire confiance en nos ancêtres, parce que c'est eux qui nous ont légué cette terre. Et de trois, nous devons nous identifier par rapport à notre idéologie. Le problème de Minembwe a élevé le débat plus haut. Il n'est plus un problème politique. La politique, ce sont des vases communicants pour la gestion de la société. Mais c'est question de patriotisme maintenant. C'est question de... Il faut adopter... chez vous, vous appelez ça souvent patriotisme, mais aujourd'hui, le Congolais, en fait, doit maintenant se conditionner à accepter que nous devons passer par une révolution. Révolution ne dit pas nécessairement aller chercher des armes, entrer dans la brousse et puis commencer à faire exploser tous les bâtiments dans Kinshasa ou dans les villes provinces. Non, mais c'est d'abord par son comportement. Il faut refuser. Il faut refuser. Il faut rejeter la soumission. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes des hommes égaux à tout autre homme. Blanc, noir, jaune et tout autre Africain. Et par question, ce pays-là, même s'il a été, ses frontières ont été dessinées par certains occidentaux en Europe, mais aujourd'hui nous sommes, c'est notre terre, elle nous appartient à nous, bien que eux s'accrochent le pouvoir de dire qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, parce que c'est eux qui ont découpé cette carte et faire du Congo ce qu'il est. Ça, ce n'est que dans la forme, mais dans le fond, cette terre nous appartient, parce qu'avant d'être la République, nous étions déjà des empires qui vivaient là. Donc, c'est chez nous. Et nous devons défendre ça, et nous devons le défendre déjà et accepter la révolution. Dans notre comportement, il faudrait maintenant tout simplement s'identifier par rapport à ceux qui sont d'accord de faire ce dernier effort, qui peut peut-être nécessiter le sacrifice suprême. Les Lumumba l'ont fait, ils ont avancé la cause. Aujourd'hui, le Congolais ne doit pas avoir peur d'embrasser son destin. À partir du moment où nous allons rester sur la peur, nous allons penser au lucre, nous allons penser à des solutions politiques qui n'ont rien apporté jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a déjà fait combien de dialogues dans ces pays-là? 54 ou 55? Ça n'a produit rien. Donc, il faut comprendre que c'est par là que nous devons passer. Et bon, à partir de là, c'est là que nous pouvons alors avoir l'espoir de pouvoir récupérer notre pays et refonder notre société, parce qu'elle est complètement détruite. Le Congo est complètement détruit. Il n'y a rien, il n'y a pas de valeur morale, il n'y a rien, il n'y a pas de fondement. Donc, nous devons revenir remplacer nos valeurs qui ont fait de nous ce que nous étions, d'abord des hommes, qui avaient une culture, un héritage, et refonder, d'abord arracher, se battre pour arracher le pays des mains de l'envahisseur et accepter qu'il faut passer par le refondement de notre société. Et une fois que nous passons par ce refondement-là, nous allons adopter les mœurs et les voies et moyens qui vont nous permettre de pouvoir gérer notre société et devenir à nouveau un pays et une république qui est respectable, vous voyez. Donc, à défaut, si les gens, comme je vois, ils essayent tout le temps de prendre les raccourcis, les raccourcis, on n'aura rien. On a déjà identifié aujourd'hui les gens, et quand on les identifie, on parle des officiels. Bien sûr, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, tout ça, ce n'est pas tous les acteurs politiques ou animateurs de think tanks qui sont contre les peuples congolais. Mais néanmoins, il y a le courant dominant, c'est celui-là, qui a déjà arrêté l'option de pouvoir démembrer ce pays. Certains peuvent dire qu'ils ne peuvent ne pas être d'accord dans leur pays respectif et sympathiser avec notre cause, c'est bien. Mais nous ne devons pas compter sur ces gens-là pour qu'ils nous prêtent main forte. Parce qu'à ce jour, vous voyez, quand vous voyez un exemple simple pour installer un bourgmestre et que l'ambassadeur des États-Unis se déplace, il est toujours partout, hein, ce monsieur-là. Regardez son comportement. C'est ce qui est un peu marrant. Est-ce que vraiment un ambassadeur africain, pour ne pas dire un ambassadeur congolais, peut-il vraiment se mouvoir comme il veut dans un pays
dans lequel il a été accrédité. Il serait chassé. C'est une chose spécifique, je crois. Il serait chassé. Il serait chassé. Il serait l'un des diplomates les plus humiliés dans ces pays. Mais lui, les Congolais se permettent de tout. Les Congolais, je crois qu'on l'a surnommé Nzita, je crois. Voilà. Voilà, comme ça, les Congolais prennent tout à la légère. C'est ces comportements-là qu'il faut arrêter. Nous sommes devant une situation catastrophique. Alors, nous devons être responsables. Nous devons comprendre. Il y a certains... Vous savez, Panto, quand vous m'avez appelé, on m'a pu échanger, vous m'avez dit, ben, tiens, vous avez pris beaucoup de recul. Ce n'est pas question de prendre de recul, mais c'est seulement quand vous observez ce qu'ils voient et vous voyez le débat stérile que les Congolais continuent à mener jusqu'à ce jour, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui blaguent, en fait. Qui blaguent encore avec la situation que nous avons devant nous. Ils pensent que Et si lui, il pense dans sa tête, c'est ce qui va arriver. Non, les Congo, on cherche vraiment à les mettre à chaos. Et si on badine, nous serons des apatrides. Pour certains, peut-être, ils sont d'accord de rester dans leur pays d'accueil. Bon, il vient se promener au Congo et puis c'est tout. Ou il oublie carrément, ou il cherche carrément son argent. J'ai suivi quand vous avez parlé avec Melou, il vous disait, bon, voilà l'attitude des nouveaux des politiques congolais qui sont au pays, ils disent bon, tu vas dans Maramouana. Voilà. Donc, c'est ça l'attitude. Mais il faut quitter ça. Parce que. Absolument, c'est vraiment malheureux, monsieur Dominique. Vous voyez les débats que nous suivons au Congo. Il n'y a rien de substance. Donc, ils sont sur le plateau avec un micro. Pourquoi ils crient, on ne sait pas. Donc, le m'as-tu vu? Et pourtant, le problème est très sérieux pour un pays qu'on appelle Makamba-Mabélé. Quand vraiment la terre brûle, l'enfant est malade, on va d'abord s'occuper de la terre. Mais au Congo, on ne sent pas ça. On ne sent pas ce sérieux-là dans le Congolais en général, dans le politique. Oui. Et même, non seulement même le politique, même dans le Congolais en général, même dans la diaspora, vous n'avez qu'à vous observer parfois le débat qui est sur la toile. Et je dis, mais c'est pas possible, ça c'est un débat stérile, on ne peut pas s'engager dans ce genre de choses. Donc vous comprenez. Alors là, c'est pour ça que moi j'avais pris du retrait pour travailler et réfléchir vraiment avec ceux qui ont déjà compris la gravité de la situation et ça. Comment on peut se mettre ensemble pour vraiment chercher les voies et moyens pour sauver. On n'a qu'un seul pays, on n'en a pas deux. Les pays d'accueil, on est ici, on peut nous chasser demain. Vous êtes d'origine, si cela. Ouais, tout à fait. Monsieur Dominique, j'ai la dernière question. C'était terminé, mais ça, c'est une question très pertinente qu'on va aborder dans très peu de temps, s'il vous plaît. D'accord. Manque de passeport au Congo. Un titre de voyage. Donc, un droit d'un citoyen. Ça fait 4 mois, les Congolais ne sont pas en mesure de se procurer un passeport. Et ceux-là qui s'en ont procuré chez Semlex, donc ceux-là qui étaient le premier à s'en procurer, dès le mois de janvier de l'année prochaine, ça va expirer. Donc, ils seront dans la même situation que ceux-là qui cherchent à s'en procurer. Votre réaction? Non, mais moi, mon passeport a expiré aussi. Et je ne sais pas les renouveler. Ouais. Et donc, vous pensez à tous ces gens qui sont bloqués. Il y a des gens qui ont besoin de leur papier parce que c'est le papier d'identité. C'est la carte d'identité. La pièce d'identité qui permet à certains... Il y a encore des gens qui sont en Occident aussi qui renouvellent leur papier chaque 12 mois, chaque an. Et si maintenant, ils devaient renouveler, ils n'ont pas d'identité, ils perdent. Absolument. Il n'y a plus rien. Donc, c'est comme ça. Il se retrouve une personne sans papier, clandestin, après avoir posé des racines dans un pays d'accueil. Le pays d'accueil ne va pas comprendre que Semlex le contrat n'a pas été renouvelé. Ce n'est pas leur problème, ça. Voilà encore l'irresponsabilité de nos dirigeants, de la classe qui dirige maintenant. C'est inconcevable qu'on peut arriver à ce niveau. Alors, un appel particulier
au gouvernement en cette matière? Non, c'est-à-dire les gouvernements doivent, je ne sais même plus ce que je dois dire à ces individus. Je vous dis, j'étais à Kinshasa, quand j'ai parlé avec certains, vous parlez ensemble, ils comprennent, mais seulement vous tournez, ils font le contraire de ce qu'ils ont dit. Non, ils ont entendu, n'ont pas compris. Voilà, tout à fait. Donc, c'est comme vous dites. Donc, ils ne cherchent pas à comprendre. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis qu'il faut carrément une révolution. Et ce n'est rien contre ceux qui sont là, mais seulement aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de légèreté avec notre pays. Si on n'est pas capable de faire quelque chose, il faut seulement quitter. Ça n'a rien de mauvais ou de diminuer d'un homme de comprendre que je ne suis pas en mesure de faire cette tâche et je quitte. Vous voyez? Et permettre, ou alors créer les situations, une situation qui peut permettre à ceux qui peuvent faire quelque chose de pouvoir faire quelque chose pour sauver le pays. Parce que demain, cette population qui continue à être constamment clochardisée et meurtrie, elle va demander les comptes. Alors, le dernier mot, pour terminer, est-ce que vous avez un mot aux Congolais, en général? Oui, le président de la République, Félix, il est là. Je sais qu'il est dépassé par l'énormité des problèmes, mais les gens attendent des solutions. Donc, il faut qu'il les trouve. Alors, aux Congolais, qu'est-ce que vous leur dites? Aux Congolais, je peux tout simplement leur demander de rester braves, de rester courageux. Le Congolais essuie toutes sortes d'insultes intellectuelles, tout comme normal, tous les jours. On dit que c'est un peuple absent, c'est un peuple fainéant, c'est un peuple... Il y a toutes sortes de qualificatifs qui vont ensemble. Mais moi, je sais que le Congolais, il peut démontrer toutes ces choses, mais c'est parce qu'il a tout simplement été abandonné. Et il n'a pas eu la chance d'avoir des bons dirigeants, des gens qui jusqu'à date. Et il faut qu'il reste la tête haute. Il ne faut surtout pas baisser la tête. Parce que là, ça serait qu'on concède, on succombe à la soumission. Il faut rejeter la soumission, il faut garder la tête haute. Nous sommes dans un tunnel qui est obscur. Nous devons continuer à marcher. Tôt ou tard, on va sortir de ce tunnel. Donc, il faut garder l'espoir. Mais seulement, il faut devenir sérieux face à la situation à laquelle nous faisons face. On ne peut pas se mettre là à attendre ou à dire non, Nzamba Rosa là, ou tout ça. Non, non, personne ne viendra faire ça pour nous. C'est ça. Alors, il ne reste plus qu'à dire grand, grand merci, Monsieur Dominique Kabongo. Espérons que ça ne sera pas la dernière fois que vous reveniez, puisque vous êtes tellement choqué de la bassesse des discussions sur certaines télévisions, mais on ne peut pas non plus désarmer pour autant, donc on doit relever la morale des autres. Grand merci et à la prochaine. C'est moi qui vous dis merci. Non, on est choqué peut-être, oui, mais on est humilisé, donc chaque fois que vous avez besoin, on viendra. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez vraiment insisté et je suis content. Je suis content qu'on ait cette entretien. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Ok, merci bien, au revoir. Nous sommes pratiquement à la fin. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, du début à la fin, vous avez suivi le cri du cœur de M. Dominique Kabongo. Celui-ci, c'est un politicologue et de développement de York University. De New York University au Canada. Donc, il vient de nous parler, il vient de donner sa matière et surtout retenez qu'il n'était pas d'accord de passer sur la télévision. Donc, j'ai voulu qu'il vienne puisque la bassesse a élu domicile dans nos télévisions. Quand vous suivez certains débats à Kinshasa, comme il l'a dit lui-même, ça fait la honte. Alors, pour terminer, je dis grand merci pour vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Grand merci de rester fidèle à votre radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise dans l'émission intitulée Tribune de la diaspora. Ici, je pense plus particulièrement à mon ami et jeune Tshibanda depuis Lusaka.
Je pense ici à Joël Chinyama, qui est à Likasi, au Katanga. Je pense également à mon petit de toujours, que j'appelle un Pakistanais, André Kassongo, ici dans les Bronx, aux États-Unis d'Amérique. Et à toute sa famille, je dis grand coucou et à la prochaine. C'était votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City, pour la voix de la démocratie congolaise. Ciao.